Si c'est Mande Mouli, comment vas-tu? Bon, je disais tout de suite là, avant qu'on ne signale la vidéo qu'elle soit coupée, je vais me reprendre. Parce que ce qu'ils ne peuvent pas, c'est nous faire taire. Je l'ai tout le temps dit. Merci, merci vraiment mon frère Sidimé, merci pour les cœurs. Voilà, lui au moins, dès qu'il vient, lui pompe seulement les cœurs. Donc, je vais me reprendre. C'est difficile de se reprendre, mais je vais devoir me reprendre. Je vais commencer par le dernier point. Nous avons tous vu le résumé de Mosaïque Guinée. Nous sommes aujourd'hui le combien? Le 7. Le jeudi, ce sera le 9. Ils ont utilisé tous les poids, tout ce qui était en eux, comme vraiment force, pour séduire, expliquer aux gens qu'ils doivent arrêter de manifester. À notre tour, à commencer par la rencontre avec le G5. Les gens ont été très clairs. Je vais, si vous voulez, je vais vous faire écouter, mais je vais faire ça le soir. Les points clés, les plus importants ont été résumés en un petit son. Je vais vous faire passer le son si vous voulez. Nous avons expliqué ça au G5. Si Doumbia veut la paix, s'il veut, il fait ce que la CEDAO a donné comme recommandation. Ce n'est pas à nous de faire la paix, parce que nous ne sommes pas en guerre. C'est lui qui est armé. Vous voulez la paix dans ce pays, vous voulez qu'on ne manifeste pas. La manifestation est un droit. Vous le savez très bien, c'est un droit. Mais lui, il nous prime ce droit. Si réellement il est venu organiser les élections, remettre un parti, qu'il le fasse, mais quand vous le regardez comme ça, merci beaucoup mon frère de sang, salut Kamala, mon ami, partagez la vidéo et mettez les cœurs. Vous avez vu, ils ont coupé la première vidéo, j'ai même effacé la vidéo. Donc, c'est à eux de faire la paix, c'est à lui de respecter ce que la CEDAW a donné comme recommandation, mais il ne le fait pas. Pourquoi nous avons décidé l'ensemble des forces vives de manifester? C'est à travers un constat. Nous avons compris sa volonté. Il n'y a pas un Guinéen qui n'a pas compris sa volonté de rester longtemps au pouvoir. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, il ne connaît pas la Guinée. Il est venu s'attaquer à une démocratie. Il est venu s'attaquer à une démocratie. C'est lui aujourd'hui. C'est pas sa faute aujourd'hui si la Guinée est sanctionnée. C'est pas sa faute aujourd'hui si la Guinée est suspendue. C'est pas sa faute aujourd'hui s'il n'y a pas d'investiteur en Guinée. C'est pas sa faute aujourd'hui que même les investisseurs guinéens ne peuvent plus commander le matériel. Parce que c'est cher. C'est par sa faute. Maintenant, la seule réponse à cette faute-là, pour corriger cette faute-là, c'est remettre le pouvoir à un civil. Et ça, il n'a pas l'air de remettre le pouvoir à un civil. Il n'a pas l'air. Aujourd'hui, vous nous demandez la paix. Mes chers frères, ce que Mosaïque dit là, je dis des frères, mon frère, je rends hommage à mes grands frères de Mamou, qui nous ont vu grandir, qui sont de l'IFDG. Moi, je suis d'ailleurs plus arc-en-ciel. Mais cela n'empêche que ces frères-là... C'est ce matin, frère Amadou m'a appelé. Je n'ai pas pris parce que j'étais au boulot. C'est au retour. Maintenant, il m'a laissé un vocal. J'ai écouté le vocal. Il dit, il y a un résumé de Mosaïque là. N'écoutez pas ça. Je m'adresse à toi, Benito. Parce que là, Andouma, toi, je sais. Et pourquoi je le dis? Quand toi, tu vas expliquer ça, l'IFDG va comprendre, le RPG va comprendre. Parce que ce que je veux, c'est expliquer ce que les gens la veulent. Je sais qu'une personne, un esprit, mais deux personnes, plusieurs esprits. Je te donne ma version, grand frère Timbo Noy, depuis Bruxelles. Je te dis la vérité. Comme Falado, tu le sais, je le sais, et tout le monde s'est rendu compte. Il ne voulait pas l'union entre le RPG et l'IFDG. Quelque chose qui a surpris tout le monde. Même moi, j'étais surpris. Et cette union-là est venue de 6 personnes extrêmement intelligentes. Le grand frère Ablaïba, Fode Ousou Fofana, le grand frère Selou Baldé. De votre côté, on sait, c'est Sékou Swapé, M. Komara et le papa Salom Cissé qui ont accepté de signer. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Voilà. Peut-être c'est lui qui est en train de signer la vidéo. Est-ce que vous comprenez?
Donc, si Selouda Lendiallo a quelque chose à expliquer, à faire un compte, comment vas-tu, à faire un compte rendu de ce qui s'est passé entre Alpha Condé et lui, c'est lui qui parle dans une conférence de presse pour expliquer. Mais les temps ont changé, les manières ont changé. Même c'est lui. Ce qui se passe aujourd'hui entre quelqu'un et lui, il ne fait, avant il faisait des conférences de presse pour faire des comptes rendus. On ne savait pas que cela ne jouait pas en notre faveur. Aujourd'hui, nous nous concertons avant de faire un communiqué. Aujourd'hui, nous nous concertons, nous sommes à Brême. Tous ceux qui sont en Allemagne, il faut les demander. Même qu'il y a une petite rencontre, nous faisons une enveloppe pour demander le RPG de venir assister. Même une simple cérémonie, nous invitons le RPG. Nous sommes politiquement différents, mais nous sommes dans une union. C'est ce que les gens là ne veulent pas aujourd'hui. Donc, si Selou a dit ça sur Alpha Condé, pourquoi depuis que Selou et Alpha se sont parlé là? Et puis moi je le dis, il faut le dire dans ton direct. Il dit que Selou et Alpha se sont parlé deux fois. Que c'est que Selou a dit à Mosek, c'est archi faux. Dites-leur que c'est archi faux. C'est archi faux. Je suis du bureau de l'Allemagne. Demandez à tout le monde. Les gens me connaissent très bien. Ils se sont parlé plusieurs fois. Il faut leur dire ça. Que quelqu'un vienne me dire le contraire. Je veux que tu expliques le contenu de Mosaïque là. Regarde, c'est le résumé de tout ce qui s'est passé pendant le temps du procès Alpha Condé. Écoute seulement, écoute. J'ai dit, j'ai écouté. On parle de morts, 50 jeunes morts. C'est pas ce que Gawa l'avait posté. Quand Gawa l'a posté ça là, il va voir ta vidéo. C'est pas ce que toi tu fais dans ton direct là, mais il y a des frères qui font des montages de tes vidéos là. Va voir. C'est plus de 200 fois partagé. Nous partageons ça partout. C'est une manière d'informer nos parents, de faire attention. C'est à cause de ça que je t'ai dit de faire un petit direct le matin, là, expliquer le contenu là. C'est nul, non, tu sais, on n'a jamais dit ça. Mais comme le neuf est arrivé, et aujourd'hui ils ont tout fait pour dissuader, pour diviser, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc il faut trouver encore, parce que je le jure, le califil l'on a mille fois. S'ils arrivent, ils arrivent à diviser le RPG et l'IFDG, c'est que c'est fini. Ils feront leur transition dans la paix. Ce que Hadi Ali Magdalen a dit au siège du RPG là, est-ce que tu as répété, tu as fait ça dans ton... J'ai beaucoup aimé. Nous avons partagé ça même, samedi tout le monde, parce qu'elle a dit, si on ne s'entend pas, elle n'a pas dit que vous allez souffrir. Il dit, nous allons souffrir. Ça, c'est un message pour même les militants de l'IFDG. Nous allons souffrir, nous. Elle n'a pas dit vous. Elle a dit, nous allons souffrir. Parce que les gens ne comprennent pas. Comme Alpha n'est pas au pouvoir, mais c'est le président, je le dis, c'est le président démocratiquement élu. Parce que tu as dit une fois qu'il est mal élu, même s'il est mal élu. Oui, même si un président est mal élu, s'il a été élu, c'est qu'il est élu. Donc, Alpha n'a plus à chercher un pouvoir. C'est nous qui cherchons le pouvoir. Donc, nous avons plus d'intérêt à aller vers le RPG, travailler avec le RPG, au lieu de venir attaquer le RPG. Donc, là où c'est lui, là, nous sommes dans le bureau. Vous pensez que c'est lui a intérêt à venir dire que j'ai dit mille merdes à Alpha Condé? Tous ceux qui vont passer comme c'est des personnes inintelligentes, même si tu n'es pas allé à l'école. Nous sommes arrivés à une phase, à une union. L'union est arrivée à un degré aujourd'hui, apprécié de tout le monde. C'est dans ça là, c'est lui va sortir pour dire, j'ai dit à Alpha, merde, j'ai dit à Alpha, il a tué les hommes. J'ai dit à Alpha, c'est, j'ai dit à Alpha, c'est cela. C'est pas, toi-même, mi fa la explication même, mais femme. Donc, c'est bête de penser comme ça. Nous, d'ailleurs, on a minimisé ça. Moi, Mosaïque, là, j'ai écrit. Tu me connais, j'ai écrit. Le frère a fait une capture d'écran, il m'a envoyé, il dit, il faut voir ce que j'ai dit à Mosaïque. Vous allez beau faire. Vous allez beau aider le CNRD. Parce que tous les sites là aujourd'hui sont pompés d'argent. On le pompe. C'est-à-dire, on pompe comme ça l'argent. On vous donne l'argent pour aider de faire la promotion de CNRD. Mais ça ne marche pas. Si vous voulez aider le CNRD là. Si vous voulez aider le CNRD. C'est ça même, frère Abla Diallo. Si vous voulez aider le CNRD là. Merci mon frère Sali Bremba. Si vous voulez aider le CNRD là. Il y a autre manière là. Mais moi, Amadou,
IFDG Europe, faut en dire là. Il faut, je mets quiconque à défi. Seul n'a jamais dit ça. Et puis nous avons, et actuellement là, actuellement nous avons changé notre façon de communiquer. Même Elasto dans l'interview ne peut pas venir faire une conférence de presse si ce n'est pas après une concertation. On se concerte d'abord en visioconférence, en WhatsApp, avant que Elas ne vienne dire quelque chose. Comme alors Elas, en partance en France, selon Mosaïque, c'est le PDG, j'ai dit à Alpha Condé comme ça, c'est Senghoun qui est venu me voir. Pourquoi jusque-là, moi je voudrais me limiter là, mais elle n'a plus un goton. Je suis en train d'expliquer ce que lui et moi on s'est dit. Après le frère Yudé rentre en ligne, frère Yudé, il faut leur dire, si c'est loi de nous, c'est bien fait. Voilà, c'est bien fait. Moi, hier là, j'ai mangé dans un restaurant à Dortmund ici là. J'ai mangé dans un restaurant ici avec deux frères de Mandiana. J'ai dit, Mandiana, tu sais de quoi on parlait? Ils sont partis attaquer le maire de Mandiana. Les jeunes sont partis attaquer. Et effectivement, quand il a dit ça là, j'ai dit, ah bon? Il dit, il faut vérifier. Ils sont partis attaquer le maire de Mandiana. Ils ont cassé tout dans le bureau. On dit que son mandat est terminé. J'ai parlé de ça là avec des jeunes du Mandiana, des jeunes du RPG. Dans un restaurant, nous avons mangé ensemble. C'est des enfants perdus. Nous sommes là, aujourd'hui là. Merci beaucoup, maman chérie. Aujourd'hui, nous avons besoin plus d'union que de venir raconter du n'importe quoi. Il faut demander à tout le monde s'il n'y a pas attaque à Mandiana. Ils sont partis attaquer le maire. Mais bon, ni bureau, on faut. Mais là, il faut. Mais Fermini, il a fallu un autre groupe pour venir imposer le maire. Ça s'est passé à Mandiana. J'ai parlé de ça avec les jeunes. Abbas, comment vas-tu? D'accord, j'ai compris. Donc, vous qui cherchez les petits trucs là, à nous mélanger là, Mosaïque n'a qu'à bien dire. Moi-même, vous ne devez pas vous limiter à ça. Vous comprenez? Ne vous limitez pas à nous mélanger. Nous, nous sommes arrivés à un niveau là. C'est à cause de ça là. Même quand les gens s'appellent là, IF2RP s'appelle en WhatsApp là, nous préférons discuter et nous faisons pas de compte-rendu des débats internes. Chacun vient faire son direct là, expliquer un sujet. Mais ce qui s'est passé à l'interne, on ne dit pas ça. C'est à cause de ça, jusque là, nous sommes arrivés comme ça. Vous n'arrivez pas à cerner comment nous organisons le 9 mars. J'ai beaucoup aimé ça, du côté des organisateurs. Jusque là, nous sommes comme ça là. Mohamed Kama, comment vas-tu frère? Jusque là, nous sommes comme ça là. Ils se demandent à quelle heure nous allons commencer la manifestation. Le document est là. Hein? Nous avons le droit, le devoir de manifester, le devoir du citoyen, si tu veux manifester, tu dois déposer un document là. Nous avons fait le document, il a été publié, envoyé dans tout. Moi, j'aime les organisateurs. Ils ont envoyé tout ça dans les emails même. Oh non, vous êtes trop fort. Au lieu de faire mettre dans les enveloppes, aller déposer. Pour éviter d'être attaqué, ils ont les services de renseignement qui cherchent les gens à les arrêter. Ils ont mis dans des enveloppes pour aller. Ils ont mis dans les enveloppes pour aller déposer devant d'autres. Non, on ne dépose pas. On ne met pas dans les enveloppes. Envoyé par email. Les gens ont les emails. Ils ont envoyé par email. C'est-à-dire par lettre. Par message. Ils ont envoyé. Voilà le document. Regardez le document. Voilà le document. Aujourd'hui, il n'y a pas un responsable des communes là qui n'a pas le document. Il n'y en a pas. Merci beaucoup, Barizio. Donc, moi, je vais vous dire, encore une fois, de se concentrer sur le 9. Laissez le jouer, Mosaïque là. D'abord, regardez le début. Il dit que c'est Senghoun est venu, il a appelé Alpha Condé. Il dit non, il faut parler avec. Bon, c'est trop enfantin, c'est bébé. Regardez la manière. C'est un enfant. C'est lui qui a occupé tous les postes ministériels, parce que tous les postes essentiels dans ce pays-là. C'est un responsable, c'est un dirigeant. Alpha Condé a été président. Il est président. C'est quelqu'un qui a... Mais vous, les gens peuvent s'appeler comme des enfants. Comme des enfants, quand je prends mon téléphone, j'appelle Damaro comme ça, là. Ou Damaro n'a pas pris... C'est quoi? Je vais revenir. Vous parlez de quelle paix? Vous avez vu, je n'ai pas mis le titre. Mais je vais mettre un peu le titre. Vous parlez de paix. Pour terminer ma vidéo, s'il vous plaît. C'est après avoir donné la date du 9 mars, là, que tout ceci, là, aujourd'hui, tout ce qui était propagandiste, là, aujourd'hui, se sont rappelés de la paix.
Je vous en prie, amusez-vous, allez voir le poste des personnes qui insultent la Troïka. Je vous ai dit, quand je parle de partis politiques dans ce pays-là, je m'adresse à trois partis politiques. Il ne faut pas que quelqu'un m'écrit, non, tu as oublié tel parti. Je m'adresse, je parle de trois partis politiques dans ma vie. Je le dis, hein. Il ne faut pas que quelqu'un m'écrit, parle de PDN, non, 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 il dit ou quoi là. Je ne connais que trois partis politiques. C'est depuis que nous avons mis le neuf là. Et regardez le double jeu qu'ils ont fait. Vous aussi, devenez un peu intelligent. Regardez le double jeu. Au moins, ils sont en train de lancer la main tendue. Parce que quand Gomu a appelé le patron du port, le Turc là, il a demandé au Turc, d'abord vous avez vu les propos d'Alpha Condé, il menace le pays, il menace la paix, la stabilité dans ce pays-là. Le gars lui a dit la vérité, moi je n'ai plus Alpha Condé dans ma main, et c'est moi qui ai envoyé Alpha Condé. Vous avez demandé un service, Alpha Condé est parti en tant que quoi? Quelqu'un, une personne malade qui a besoin d'aide. Et quand tu arrives en Turquie, ce sont les associations qui s'occupent des personnes comme ça. C'est eux qui déposent tous les dossiers. Donc, gare à l'État de s'en prendre à la personne-là. Vous, si vous ne connaissez pas la procédure, on peut vous apprendre. Hein? Voilà, ce n'est pas l'État qui va prendre Alpha Condé. Non, même quand on veut expulser Alpha Condé comme ça, là, tu vas voir les organisations se lever. Aujourd'hui, là, tout ce qui se passe en Guinée, là, tout est peint. Il n'y a pas une organisation turque aujourd'hui qui ne connaît pas ce qui se passe en Guinée. Donc, les gens, là, ne peuvent pas se permettre de laisser quelqu'un prendre Alpha Condé en Guinée. Vous aussi. Voilà, et là, les documents turcs. Donc, c'est après ça, la même nuit, ils ont dit, bon, on va demander aux forces, la rencontre avec les forces vives. C'est la même nuit, que les, c'est pour vous dire que les forces vives aussi, aujourd'hui, l'union est devenue extrêmement sacrée. Nous sommes devenus trop unis. La même nuit, ils l'ont répondu. Ils ont rejeté sa main tendue. Le document est là-bas, est sur la toile. Ils ont rejeté sa main tendue la même nuit. Le matin, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu son poste? Qui est venu menacer? Ce n'est pas les mêmes personnes qui sont venues menacer que les forces, la force reste à la loi. C'est lui qui veut la paix, qui veut rencontrer. Hein? Vous aussi, qui veut rencontrer. Il veut rencontrer les sages, rencontrer les forces vives. Est-ce que de parallèlement, quelqu'un a le droit de venir menacer ceci-là? Soyons intelligents, au moins réfléchissons un peu. Hassan, comment vas-tu? Réfléchissons un peu. Deux jours après, ils ne sont pas venus nous menacer. Et aujourd'hui, tu sais ce que Charles White dit? Charles White dit, nous allons prévenir. La prévention, c'est d'attaquer toutes les têtes de liste de chaque parti avant le 9. Entre Dieu et vous, c'est aggraver la situation ou bien arranger. C'est pas aggraver. Quand vous arrêtez les têtes de liste, là, les gens vont commencer à manifester avant même le 9. Tellement qu'ils sont bêtes, ils ne sont pas intelligents. Maintenant, vous voulez quelle paix? Vous parlez de paix. Quand je vois les médias, bon, je ne parle pas de ces petits médias. Mon frère Damaro a bien détaillé ça aujourd'hui. Quand les petits médias parlent de paix, le souci de tous ces médias-là, c'est parce que la réglementation de la communication prochaine-là, nous allons changer totalement la hack. Que ce soit Kassouri, que ce soit Selou, que ce soit Sidia, si quelqu'un parmi eux arrive au pouvoir-là, le premier travail, la première activité d'abord, c'est de changer la hack. La hack, là. Même le permis de communication, là, doit être bien vérifié. Personne ne viendra maintenant ouvrir une radio comme ça, comme il veut. Parce que j'ai l'impression que quand vous les mettez les agréments, là, ils oublient vite. Ils pensent à l'argent, à la communication, sans vérifier le contenu du règlement intérieur. Ce que vous vous êtes dit, là, ils ont signé devant Salouni Alambion, okay. Salou, les gens oublient. Dès qu'ils signent, ils ont l'agrément, ils oublient tout le contenu. Quand vous entendez Mohamed Mara parler, entre Dieu et vous, là, la place de Mohamed Mara, c'est où? C'est à la maison centrale. La nouvelle journaliste Yara Girassi qui cherche des points, qui cherche des points. Quand vous entendez Yara parler, mais c'est la hack doit. Mais la hack n'intervient pas. C'est aujourd'hui même, j'ai vu que la hack. Ahak a envoyé une lettre de mise en garde à Mohamed Mara. Il paraîtrait. Quelqu'un m'a envoyé le document, mais je ne l'ai pas lu. C'est quel pays il veut? Est-ce que nous sommes en guerre? Vous, là, qui est en guerre? Vous parlez de paix. Notre pays a besoin de paix, a besoin de calme. Donc, demande à, le pays a besoin de tous ses enfants. C'est maintenant que le pays a besoin de tous ses enfants? C'est maintenant que le pays a besoin de tous ses enfants? Lorsque
lorsque un clan, un groupe mafieux, des bandits, décident d'envoyer le premier groupe en prison, et minutieusement, ils se sont bien préparés, parce que pour Serlou, je vous le dis, allez-y vérifier, c'est eux qui ont poussé Serlou à la sortie. C'est un plan, Serlou est tombé dedans. On dit, si vous laissez Serlou dans le pays là, vous n'aurez pas la paix, vous n'avez pas bien fait votre transition, donc vous faites tout pour le faire partir. Est-ce que vous comprenez? Donc, Serlou à l'étranger, c'est eux qui ont organisé le départ de Serlou. C'est eux. Aujourd'hui, au départ, ils ont tellement piégé Serlou. Pour qu'il y ait le premier jour, Serlou devait rentrer. C'était 3 jours avant sa rentrée. C'est moi qui ai fait le communiqué sur ma page. C'est parce qu'il y a un élément de force spéciale qui m'a appelé. Doumbouya a demandé au renseignement à Komi, le chef de renseignement, d'envoyer quelqu'un. C'est eux-là qui allaient accueillir Serlou directement là-bas, à l'aéroport. Mais c'est ma page, il y a une demoiselle qui m'a dit, ne t'inquiète pas, il est déjà informé, il n'ira nulle part. Et vous, Serlou, selon Mosaïque, que Serlou aurait dit ça. Pourquoi alors, Serlou avait dit, après la rencontre de la Guinée-Bissau, là, il dit qu'il rentrera en Guinée qu'avec Alpha Condé. Pourquoi elle a dit? Vous pensez que Serlou était un hypocrite? Badala Sangon, vas-tu frère? Voilà, nous ne sommes plus dans ça. Si vous voulez la paix, là, nous sommes dans la paix. C'est quelqu'un qui est venu terroriser le peuple. La seule personne qui a terrorisé ce pays-là. C'est une seule personne. C'est qui? C'est Doumbouya. Je mets quiconque à défi. Donnez-moi le but de ce coup d'État-là. Dites-moi, voilà pourquoi le coup d'État-là. Allez-y réécouter le discours de Mandy Doumbouya. Est-ce qu'il a parlé de troisième mandat? Non. Fumba, comment vas-tu? Il a parlé de faire l'amour au pays. La personnalisation du pouvoir. Aujourd'hui, là, regardez les affiches. Quelles sont les personnes qui vont au ministère des Affaires étrangères? Allez-y, va à la rentrée. À la rentrée du ministère des Affaires étrangères. C'est la photo de qui est là-bas, là? C'est pas Ouyasanda et lui Doumbouya. Et pourtant, dans son discours du 5 septembre, qu'il n'y aura plus de personnalisation, c'est pas lui qui l'a dit? Je ne parle pas de la corruption, hein. Je rentre pas. La corruption, là, vous-même, vous le savez. S'il n'y a pas de corruption en Guinée, Alucine, merci beaucoup pour les étoiles. Allez-y voir. S'il n'y a pas de corruption, à vous d'en juger. Le gars qui est en prison, le patron de la sécurité du port, là. C'est après les gens se sont rendus compte pourquoi on l'a envoyé en prison. Vous avez l'information affûtée. Ce qui s'est passé entre lui et Sadiba Koulibaly. Il n'y a pas de corruption dans ce pays-là. Hein. Aujourd'hui, vous entendez quelqu'un parler d'Air Guinée concernant ce loup. Quelqu'un parle d'Air Guinée. Même les propres blogueurs-là, est-ce qu'ils parlent d'Air Guinée? Personne ne parle d'Air Guinée. Allez-y, écoutez la dame-là, comme Diaka Djabi, avant qu'il a fait une vidéo-là, qui a fait qu'on a passé 50 ans en train de tromper le RPG arc-en-ciel. C'est lui qui a créé son parti avec ses amis, qui a en train de tromper le RPG depuis 50 ans. Quand quelqu'un m'envoie ça, je dis, patron, mettez ça de côté. Ne l'écoutez pas. La dame, la demande, la dame, là, si elle a obtenu un poste avec. Donc, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là. C'est pour vous dire encore une fois. La seule fois dans la vie, depuis que nous avons accepté d'être ensemble, unis. Omar, quand j'ai fini, je vais qui attaque Dortmund. Moi, je ne suis pas de Dortmund. Moi, je suis de Real Madrid. C'est un ami nigérien qui m'a donné ça. Voilà, c'est un Nigérien. Il était en Allemagne avant de venir aux États-Unis. Il travaille avec moi à Amazon. Donc, c'est lui qui m'a donné ça. Voilà, c'est à cause de voilà, ça, là, les gars. Sinon, je suis, voilà. Je préfère Bayern que Dortmund. Mais je porte, c'est un habit. Voilà, merci quand même. Ah, ok. Merci beaucoup, Omar. Donc, pour la seule fois, acceptons de se concentrer sur le neuf. Travaillons ensemble. Je vous ai donné tous ces exemples-là. J'ai cité tous ces exemples. C'est pour vous dire simplement que c'est maintenant que les Allah parlent de paix. Vous aussi, même si nous ne sommes pas allés à l'école, c'est facile de comprendre que si aujourd'hui, dans leur bouche, c'est la paix qui sort à longueur de journée, c'est parce qu'ils ont compris que même au sein, pour l'armée là, même au sein de l'armée, parce qu'au sein de l'armée là,
au sein de l'armée, tout est fin prêt. Ils n'ont pas dit qu'ils sont bêtes là. C'est ce que les gens là ont dit, la Troïka a dit aux sages. C'est eux qui sont armés. C'est eux là qui sont armés. C'est à eux de bien écouter vos conseils, pas nous. Parce qu'ils ont décidé de tirer sur la population. Parce que vous avez entendu, hein, que force restera la loi. Parce que même Charlotte est parti dire dans les détails que s'il y a un mort, c'est sous la responsabilité de... C'est-à-dire un militaire tue et on dit automatiquement que c'est les opposants qui sont responsables. Moi, j'ai écrit en bas du discours du fameux Charlotte, j'ai mis là-bas, j'ai dit au moins... au moins c'est toi qui as organisé le procès du 28 septembre. Ceux qui sont là-bas, là, c'est les gens qui ont tiré et ceux qui ont commandé. Voilà, ceux qui sont là-bas. Dadis est là-bas. Aujourd'hui, Dadis est malade. Mais moi, je demandais à la famille de Dadis d'aller demander à Gomu, à Bogola, à tous ces petits forestiers, petits guerriers, je ne parle pas de l'ethnie, hein, mais les petits guerriers qui sont dans le gouvernement qui ont vendu Dadis. Parce que c'est que vous ne savez pas, ils veulent l'évacuer avant le 9, c'est trop tard. Il ne bougera pas parce que c'est un prisonnier français. Voilà, Dadis c'est un prisonnier français. Voilà, la France veut le faire payer ce que ses propos. Donc portez-vous très bien. Voilà, nous n'avons pas besoin de paix. Nous avons besoin de récupérer notre pays. Nous ne parlons pas de paix parce que nous ne sommes pas en guerre. Personne n'est en guerre. Le seul terroriste dans ce pays-là, c'est Doumbouya. Vous vous rappelez lorsque ils ont dit ici là que les terroristes veulent attaquer l'abbé et Cancan. Je suis venu communiquer, connaissant la géographie de la zone, parce que, alhamdoulilah, je remercie le Tout-Puissant Allah. Je suis forestier, mais je suis né, grandi dans cette moyenne Guinée, issu d'une mère de cette zone aussi. Donc, je connais bien la zone, je connais la carte, je connais la zone là comme ma paume là. Donc, moi, je me suis dit, comment on peut venir attaquer l'abbé? Attaquer l'abbé. Et pourtant, je connais la frontière sénégalaise. Voilà, je connais très bien cette frontière. J'étais, mais tous mes oncles qui étaient avec mon père à l'Insansalan là, c'est les lieux de sas. D'autres, même, le parc de Nyokolko Badiar là est venu jusqu'à Komba. Ceux qui connaissent la zone à Komba, Mandassaran, tous ces lieux-là. En partant, en remontant vers Tchangelbori, tous ces coins-là, nous connaissons ça. Ici, là. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un parle de terrorisme? Il parle de Cancan. Ils ont sauté sur Sigiri, ils ont sauté sur Mandiana. Quand vous regardez la carte de la Haute-Guinée, là, tu peux attaquer Cancan sans passer par Sigiri, par Mandiana. Donc, chers frères et sœurs, ils ont laissé tout ça, là. Air Guinée, ils ont mis ça de côté. Donc là, ils ont mis ça. Donc, concentrons-nous sur le neuf. Portez-vous très bien. Ça va aller, comment vas-tu? Que Dieu vous garde longtemps. Nous allons opter, nous allons gagner le fruit de notre combat là. Nous allons gagner ça. Heureusement, personne ne pensait que ces lois allaient appeler à manifester autant qu'Alpha Condé. J'ai vu les petits médias, non? On dit que ces lois Alpha ont appelé à manifester. Merci mon ami Salou. Donc, merci à tout le monde. Quand je dis les petits forestiers, moi-même je suis forestier. Quand je dis les petits forestiers, je parle des individus qui sont là-bas. Je le répète encore parce qu'il y a un petit qui est venu m'insulter la dernière fois là. Tu as vu, moi je ne t'ai pas répondu. Voilà. Tu m'as insulté, tu es guerrier, tu m'as insulté. Ça ne m'intéresse pas. Hein. Mais je t'ai juste dit que tu passes chez moi avant d'aller chez toi. Tu passes à Massanta avant d'aller à Zélekouri. Massanta là. Tu passes par là, Zélekouri. Tu peux emprunter l'autre route là, mais la route la plus bonne, c'est entre Massanta et Zélekouri. La route là. Maman, je ne te réponds pas. S'il y a des traîtres parmi nous là, c'est vous qui avez vendu votre frère. Moi, je ne parle pas de l'ethnie, hein, je parle de... Parce que comme je dis, toi le Malinké là, c'est toi qui a vendu Alpha Condé. Qui a vendu Alpha Condé? C'est un Malinké, et puis de surcroît, qui vient de la même préfecture qu'Alpha Condé, Kouroussa. Namorie de Kouroussa. Qui a vendu? C'est comme si je dis c'est un Malinké qui a vendu Alpha Condé à un Malinké. Ou bien c'est faux. Cela n'a rien à voir avec l'ethnie. Donc Dadis ne sera pas évacué. Il y a la clinique Ambroise, il y a la clinique chinoise, ou l'hôpital chinois, je ne sais pas, il y a tout en Guinée.
Allez-y le traiter là-bas. Il n'y va nulle part.